Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la suite de l'avancée du montage de notre Jeep Tintin de la collection Hachette, la Jeep d'Objectif Lune. Alors, ça c'est juste monté à blanc, c'est pas encore fixé à la voiture. On a donc installé notre petite boîte à outils qui s'ouvre. Enfin, quand on y arrive, attraper la petite poignée pour soulever tout ça. Voilà. Donc on a notre petite caisse à outils. On a installé le réservoir de carburant. On a installé aussi le klaxon. On a monté la deuxième aile. Maintenant, on a les deux ailes avec le pare-choc avant ainsi que la calandre et les phares qui sont fixés à notre châssis. Cet ensemble-là viendra se fixer un petit peu plus tard. Il est juste posé pour le moment. Nous sommes rendus au numéro 87. Et nous allons terminer cette vidéo par un petit montage à blanc sans les roues, puisque bon, on nous a fourni seulement deux roues, puisque la troisième, c'est la roue de secours, elle ne rentre dans aucun des axes de la voiture. Voilà. Avec nos figurines qui sont à peu près dans la position qu'elles seront au final. Lorsqu'on aura le capitaine ad hoc assis à côté du professeur Tournesol. Voilà, ça donnera, je pense, un joli diorama. Malgré que la collection s'éternise, soit très très longue, on savait dès le départ que c'était 120 numéros, mais c'est vrai que c'est vraiment très long. Surtout que cette Jeep est sortie en 100 numéros déjà, alors en version militaire, quasiment la même. Voilà. Bon, on aura une belle vitrine. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure. Merci à tous.